Captain 5, comment allez-vous? Moi ça va tranquille, pas de problème aujourd'hui, c'était hier, donc désolé pour la coupure en fait, j'avais, enfin, la coupure, l'arrêt de vidéo de la partie 15 je crois, et là en fait, ouais, j'avais pas capté que ça se finissait si vite en fait, j'étais en fait, j'ai encore sur le truc de la musique pour la suite, donc en fait finalement je vais vous faire le récapitulatif de ce que j'ai fait les choix, enfin vous avez vu, tout simplement, donc j'ai refusé d'accorder la demande de Chloé, j'ai laissé Warren tabasser Nathan, tranquillement, Chloé n'a pas blessé Franck, a tué Franck, Chloé a blessé Franck et Chloé n'a pas blessé Franck. Mais évidemment, je l'ai tué à la base, après je l'ai blessé et après je l'ai pas blessé. Donc ça va. J'ai réussi. Bon, évidemment, j'ai recommencé. Victoria a pris votre avertissement sérieux. Ok, vous n'avez pas pris une Victoria. Ok. Vous avez sauvé le merle bleu. 52% l'ont fait. Vous avez dérangé le nid. Vous n'avez pas dérangé le nid. Oui, parce qu'en fait, j'ai tout simplement remis le truc après. Ou peut-être qu'en fait, personne n'avait vu ou tout le monde a. A utilisé le pouvoir de remettre Tony quand même. Vous avez obtenu le dossier d'une autre façon, vous avez trouvé le code de David. Vous avez trouvé le code de David. Je vois pas de quoi il parle. Bon, bref, Kate vous a aidé à trouver la chambre de Nathan. Kate m'a aidé à trouver la chambre. Non, elle m'a pas aidé. Ah, elle m'a envoyé un message quelle chambre c'était. J'ai même pas vu en fait. C'est pas grave. Vous avez convaincu Daniel de se rendre à la soirée, vous n'avez pas convaincu Daniel. Ah oui, il nous avait montré la tête de Daniel et tout, et en fait, je suis pas allé lui parler, le pauvre. Vous avez laissé un message. Putain, mais franchement, je viens de remarquer, j'ai loupé plein de trucs. Hein. Vous n'avez pas laissé de message sur l'adresse de Warren. Si, je l'ai laissé. Cute, j'ai marqué. Ne dis pas que j'ai remonté le temps comme un connard. Ah ouais, je crois que j'ai laissé le message et après j'ai ouvert la porte de avec le truc incendiaire et en fait j'ai trop remonté le temps et enfin pour pas me faire choper. Vous avez découvert le code PIN de Nathan, vous n'avez pas découvert le code PIN de Nathan. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, franchement j'ai dû faire de la merde. Bref, la suite, maintenant. Bah, la suite d'épisode 5. Ah, intéressant. What? Jefferson évidemment, puisqu'on sait que c'est lui. Finalement, je crois que c'est pas du tout Nathan en fait. Ça sent Rachel Amber. Non. On sera au prochain épisode. Waouh, on se calme. On se calme. On se calme, mes oreilles. Mes oreilles saignent en ce moment même. Donc mollet mollet. Hein. Oh, ça m'a niqué les oreilles. Attends, ça faisait fou. Je sais pas comment s'expliquer. Votre histoire continue avec l'épisode 5 pour la Rized arrive bientôt. Prenez part à la conversation en utilisant hashtag Life is Strange. Ok, donc les gars, on se retrouve dans 3 mois, je crois, à peu près, pour la suite de l'épisode 5. Enfin, pour ma part, on est le 28. Ben, on est encore le 28, les potes. Il est quelle heure? Ben, dans 15 minutes, on est le 29. Je viens de sortir aujourd'hui. Et là, ben, la fin de l'épisode 4. Vous l'aurez peut-être en fin août, voire dans le mois septembre, par là, je pense. Le temps que je mette les autres vidéos avec le montage. Et là, ben, voilà, on aura peut-être, je crois que c'est sorti en novembre-décembre, par là. Voilà, donc vous aurez l'épisode 5 dans ces eaux-là, ou peut-être début janvier 2016, ça dépendra de quand je pourrai mettre les vidéos. En espérant que quand même cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde, c'est Mathieu M5 du futur. Oui, encore une fois, comme dans la partie 11, évidemment. Pourquoi? Parce que je suis toujours aussi nul, les potes. En fait, j'ai mal dosé le son de la musique que j'ai mis avec mon téléphone et je parlais pas assez fort tout simplement et donc on m'entendait pas du tout, on entend la musique et moi en train de gueuler en fond, on m'entendait pas du tout, donc voilà, j'ai décidé tout simplement de m'avoir au montage sans la musique, vous l'entendrez un petit peu à la fin tout simplement, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si le display vous a plu ou tout simplement cette vidéo vous aura plu, même si c'est que la fin. Ça vous empêche pas de mettre un j'aime. N'oubliez surtout pas le commentaire pour me dire si vous avez aimé ce let's play, si je vous ai donné tout simplement envie d'y jouer ou si vous avez fait votre propre histoire et me dire vos choix. Tout simplement. Bref, c'était Mathieu M5 du futur. A plus tard tout le monde.